19h40, effectivement, effectivement. Merci, autant pour moi, David. Il est 19h40, heure locale. Excusez-nous pour ces 10 minutes de retard. On est débordé, vous savez, avec tout ce que Dieu fait. Et merci pour votre patience, parce que nous nous apercevons que vous êtes de plus en plus patients. Et bien que, en même temps, vous êtes zélés, assoiffés, affamés, vous avez faim de la parole, faim de... Et c'est aussi le cas pour nous. Et malgré cette famine que nous avons, que vous avez de la parole, il y a quand même la patience que vous exercez. Que Dieu soit béni. Père, au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom pour cette soirée spéciale sur ton nom qui guérit. Adonai, notre Père, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci pour ton amour, l'amour que tu manifestes envers nous. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu nous donnes à vivre. Toutes les belles choses et les épreuves, Seigneur, que nous expérimentons, que nous rencontrons dans notre marche chrétienne. Papa, nous te confions cette soirée. Merci encore pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Des hommes et des femmes issus des nations, des différentes cultures, Seigneur, mais qui t'aiment et qui te cherchent. Et nous te bénissons. En ton nom, Yeshua, nous prions. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. David, bonsoir. Laurent, tout ça. Et nous avons aussi un couple qui nous vient, mes amis, directement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, notre frère et notre sœur sont arrivés pour, n'est-ce pas, le programme de réveil, pour le programme du 19 et d'autres programmes. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Waouh, est-ce que vous voulez bien vous présenter aux frères et sœurs qui sont là, connectés? Ok, d'accord. Ben voilà, moi je m'appelle Karl, avec ma femme en face, Marie-Louise. Mm-hmm. Et nous sommes venus pour le programme de réveil et tout le programme qui va se passer durant le mois de décembre. Waouh, voilà. Donc vous avez fait 22 heures de vol. Oui. Waouh, vous suivez TV de vie depuis combien de temps? Depuis 2009. 2009, waouh, je crois honnêtement avant votre retour, déjà on va vous avoir pour un repas, bien, donc juste avant le retour, et si Dieu permet, on va arrêter une date pour une mission en Nouvelle-Calédonie, donc d'accord. Un programme de réveil, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci Seigneur, frères et sœurs, cette émission tourne autour de la guérison, c'est juste une courte émission pour vous donner des témoignages, hein, donc de ce que Dieu fait, et nous voulons vous faire participer. Hein, à toutes les belles choses que Dieu nous donne à vivre. Nous sommes de plus en plus dépassés par l'œuvre que le Seigneur fait. Avant de vous donner ces témoignages, avant de permettre aux frères et sœurs guéris par le Seigneur de nous appeler pour témoigner, nous voulons d'abord partager une parole dans Ésaïe 53. Alors désormais jusqu'au 19, nous allons faire la lecture de la... Donc nous n'allons... enseigner que sur la BJC, la Bible de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ou sur la Martin, ou sur l'Osterval, il n'y a pas de problème. Mais ce soir, je vais lire un passage de Ésaïe 53 dans la BJC. Voilà, histoire de vous mettre un peu de l'eau à la bouche. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la maladie. Voilà. Et là, dans la version, tu vois, le dernier verset que je viens de lire, David, tu peux le lire dans ta version là? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Là, on nous dit habitué à la souffrance, mm-hmm. Alors que la vraie traduction dit, n'est-ce pas, le mot habitué, c'est pas ça, en fait, c'est le verbe savoir. D'accord? Que Segon a mal traduit, il a traduit ce verbe par habitué. Non. Homme, n'est-ce pas, c'est pas habitué, mais c'est savoir. Donc, et sachant. C'est que c'est la maladie. Alors, le deuxième mot que Segon a mal traduit, c'est la souffrance. Et le mot dont il est question là, et le terme hébreu, signifie littéralement la maladie. Alléluia. La maladie. Et voilà. Donc, et c'est terrible, hein, de mes amis, là. C'est comment ça change tout. Hein. Donc,
Le mot souffrance, donc, c'est signifie littéralement la maladie. Et on retrouve ce mot dans plusieurs endroits, hein, dans Deutéronome 7 notamment, et 15, 28, 59 et 61, où Dieu parle justement des maladies qui allaient frapper les enfants d'Israël, n'est-ce pas, à cause de leur désobéissance. Voilà. Donc, il est dit ici que Yeshua sait ce que c'est la maladie. D'accord ? Donc, comme il sait ce que c'est la maladie, il peut nous guérir. Amen. Il est mieux placé pour guérir les malades. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, mes amis. C'est magnifique. Frères et sœurs, quand Ségond dit que habitué à la souffrance, mais la souffrance, ça peut être un manque de... Ça peut être la famine. Hein? La souffrance, ça peut être un manque de toit, hein, de logement. C'est une forme de souffrance. Mais ce n'est pas une maladie. Mais là, le terme hébreu parle de la maladie. N'est-ce pas? Sachant ce que c'est la maladie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Et c'est pas que Yeshua était malade, mais il a vécu au milieu des malades. Il a vu nos maladies, n'est-ce pas? Et son cœur était aussi à cause de, était dans la souffrance, dans la maladie par rapport à nos maladies, parce qu'il a porté nos maladies. Donc il a expérimenté, oui, la maladie. Donc il sait ce que c'est la maladie, parce qu'il a pris nos maladies sur lui. Voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Comment ça change beaucoup de choses. Et on nous dit, hein, donc, au verset, donc, homme de douleur, et sachant ce que c'est la maladie, et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, tant il était méprisé. Et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Ouh, alléluia. Jesus Christ. C'est magnifique, hein? Alléluia. C'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison, frères et sœurs. C'est le même mot qui revient ici, là. Donc, il sait ce que c'est la maladie. Et c'est pour cela qu'il s'est laissé blesser, n'est-ce pas? Et il a porté nos maladies. Et il, grâce à ses blessures, nous avons la guérison, frères et sœurs. Oui, la guérison est biblique. Amen. Alléluia. La guérison est biblique, frères et sœurs. Et Dieu est le Dieu qui guérit. Si dans une église, il n'y a pas de guérison, posez-vous la question. Parce que Yeshua sait ce que c'est la maladie. Il a porté nos problèmes, nos souffrances. Et Dieu dit à Moïse dans Exode, regardez bien mes amis, dans Exode chapitre 15, Exode chapitre 15, alléluia, gloire à Dieu. Au verset, mes amis, 26, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahweh qui te guérit. En fait, littéralement, car je suis Yahweh Rapha. D'accord? Dieu dit qu'il n'allait pas frapper ses enfants des maladies qui avaient été envoyées en Égypte, car son peuple a pour Dieu Yahweh Rapha. C'est-à-dire, le mot Rapha ici a été traduit dans plein d'endroits de la Bible par médecin. Dieu se présente à son peuple comme le médecin. Et il dit, je suis le tétragramme. Donc, Yod, la lettre Yod, hein, alléluia, la lettre E, la lettre Wav, et la lettre E. Yod, c'est la main, E, la louange, Wav, c'est le clou, et E, la dernière lettre, c'est la louange. Et Dieu se présente aux Hébreux comme leur médecin. Alléluia. Regardez mes amis ce mot-là, traduit dans Genèse 52. Genèse 52, David, si tu veux nous lire cela. Alléluia. Le mot Rapha était traduit dans ce passage par médecin. Genèse 50 au verset 2, il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Joseph ordonne au médecin égyptien d'embaumer son père. Donc le mot médecin ici c'est Rapha. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est le médecin. Amen. Yeshua est le médecin, frères et sœurs. Il est notre médecin. Ouh, quelle identité, mes amis. Donc nous servons le médecin de médecins. Donc vous ne pensez pas qu'il est capable de nous guérir, frères et sœurs?
Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. Hein? Là, le mot Rapha aussi a été traduit par médecin. Alléluia, Jésus-Christ, vous avez vu le t-shirt frères et sœurs, Jésus-Christ 100% gratuit. Hein? Laissez-moi me mettre debout un peu la vite fait. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ, Jésus 100% gratuit. Matthieu 18. Voilà le message, frères et sœurs. Alléluia. Jésus 100% gratuit. Alléluia. Amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ha, ça va chauffer, mes amis. Ça va chauffer, les boutiques vont fermer. Je vous assure, au nom de Yeshua. Alléluia, nous sommes dans 2 Chroniques 16, 12. 2 Chroniques 16, 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Ce roi-là est un malade. Mm-hmm. Au lieu de chercher le médecin des médecins, non, il n'a pas cherché le Yahweh Rapha, il est allé voir d'autres médecins. Mm-hmm. Et il est mort. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes dans Jérémie chapitre 8, verset 22. Jérémie 8, 22. Donc, Yahweh a laissé cet homme mourir, ce roi mourir, parce qu'il ne l'avait pas consulté. Il a mis sa confiance dans les hommes, dans les médecins humains. Au lieu de la placer en Yahweh Rapha. Amen. Jérémie, oui. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ah, Dieu dit, mais en gros, hein, mais vous êtes éloigné de moi, en gros. Eh ben, amenez-moi vos médecins, qu'ils vous guérissent. Allez voir des médecins qui vous guérissent. Pourquoi votre souffrance continue-t-elle? Pourquoi perdure-t-elle? Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans une époque où il y a tellement de maladies incurables. Mm-hmm. Bouddha ne guérit personne. Mohamed ne guérit personne. Frères et sœurs, et je voudrais ce soir vous présenter de nouveau. Amen. Le Dieu dont le nom est la guérison. Amen. Le Dieu dont le nom est le médecin. Amen. Hein? C'est Yahweh. Et Jésus signifie, Jésus vient du grec Jésus. Jésus est une translittération, mes amis, de Yeshua. Mes amis, Yeshua est le Dieu Tout-Puissant. Son nom signifie Yahweh, le tétragramme, et salut. Quand on parle du salut, on sautérie en grec, on parle de la guérison, on parle de la restauration, on parle de la sécurité, de la sûreté, de la protection. Dieu ne fait pas seulement nous guérir, mais il nous guérit et il nous maintient dans la guérison. Amen. Ouh, alléluia. My God. C'est quand il guérit, la maladie part définitivement. Amen. Vous voyez, frère? Regardez le service de Jésus-Christ de Nazareth quand il était sur terre. Il n'a fait que guérir les gens. Il y a un lépreux qui vient le voir dans Matthieu chapitre 8. Il dit, si tu peux, si tu le veux. Et le lépreux dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Yeshua a fait quoi? Il est dit qu'il va toucher le lépreux. Or, la loi de Moïse disait qu'il ne fallait pas toucher les lépreux. Celui qui touchait un lépreux dans Lévitique 15 était considéré comme impur pendant 7 jours. Il était exclu du camp. Il devait être jeté dans le désert. Et Yeshua n'a pas eu, mes amis, peur de toucher, mes amis, la lèpre de cet homme. Ouh, le toucher de Dieu. My God. Alléluia. Il va toucher ton corps. Il va toucher ton âme. Amen. Il va toucher ta vie comme Amen. Aucun Amen. Pasteur ne peut n'a su le faire jusqu'à ce jour. C'est pour cela que j'aime l'élever, j'aime le magnifier, j'aime le glorifier. Parce qu'il touche mon corps quand je suis malade, frères et sœurs. Il touche mes organes quand il y a des problèmes. Et le lendemain, je me retrouve guéri. Oh Jésus de Nazareth. Hein? Il touche les lépreux, il dit, je le veux, sois pur. Mais il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Le lépreux a eu la révélation que Jésus-Christ pouvait le guérir. Et Jésus, Dieu, mes amis, il était, vous qui ne croyez pas qu'il est Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Si Jésus n'est pas Dieu, quand le lépreux lui a dit ça, Jésus-Christ allait flécher les genoux pour dire, Seigneur, s'il te plaît Père, s'il te plaît mon Dieu, guéris-le. Il dit, je le veux. Moi, tu ne peux pas venir me voir pour me dire, Chora, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je ne peux pas. Si tu me dis ça, je dirais, ah, je ne suis pas ton Dieu. Ah, tu es idolâtre. Et je fléchis le genou pour dire, Seigneur, aide-le. Mais Jésus-Christ est tellement puissant. Amen. Il est lui-même Dieu au point où il a dit, je le veux. Amen.
Donc ce que Dieu veut, c'est ta guérison. Amen. Ta restauration. Une église qui ne parle pas de Jésus-Christ qui guérit n'est pas l'église de Dieu. La parole est accompagnée des signes et des miracles. Prêcher, c'est bien. Dénoncer, c'est bien. Mais mes amis, expérimenter la parole qui guérit, qui sauve les âmes de l'enfer, du péché, c'est mieux. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades. Dieu les guérissait, frères et sœurs. Nous sommes dans un temps de réveil. L'atmosphère est déjà apprêtée. L'atmosphère de conversion, de confession, de guérison, de baptême, frères et sœurs, de repentance, de confession publique. L'atmosphère est, c'est le royaume qui se promène partout avec ses enfants. Donc partout où il y a le royaume, il y a des guérisons. Frères et sœurs, Jésus-Christ, on l'invite chez Pierre. Pierre l'invite à manger. La belle-mère de Pierre était malade. On nous dit qu'on va parler d'elle à Jésus. Jésus, le Seigneur va la toucher. Il va la faire se lever. La dame était guérie. Elle va servir le Seigneur. Comment voulez-vous servir Dieu si vous êtes malade, condamné par la médecine? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment voulez-vous parler de la guérison divine si vous-même vous êtes malade, condamné? Comment voulez-vous que les gens vous croient? Alléluia. Or, dans le royaume de Dieu, nous prêchons les choses que nous expérimentons. Amen. Nous prêchons les choses que nous vivons. Nous ne pouvons pas prêcher les choses que nous n'avons pas expérimentées. Yeshua a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc ce que nous prêchons, c'est la vie que nous vivons. Mm-hmm. Alléluia. Si je parle de la délivrance, c'est parce que Dieu m'a délivré. Si je parle de la guérison, c'est parce qu'il me guérit. Mm-hmm. Si je parle de l'amour, parce que j'ai expérimenté son amour. Mm-hmm. Donc c'est ça le royaume de Dieu. Amen. On prêche ce que nous expérimentons, frères et sœurs. Voilà. Donc vous avez compris, Yeshua est le Dieu qui guérit. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Nous sommes dans le premier témoignage. Ce couple qui nous a envoyé ce mail, on va pouvoir vous montrer leur mail et les preuves de leur guérison, de la guérison de notre sœur. Yeshua, le Dieu Rapha, l'a guéri de quoi? Voilà le mail. On va l'agrandir un tout petit peu, si c'est possible. Frère Shora, bonsoir. Nous avons à cœur de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Nous te rappelons vite fait que nous sommes, qui nous sommes. Lors d'une de tes prêches à Évry, Jésus a délivré mon époux d'un esprit de pornographie, de la convoitise, ce qui l'a mené dans toutes sortes de travers. J'ai ensuite rejoint mon mari avec notre petit dernier, Gabriel. Et là, Dieu nous a dit qu'il nous avait mis ensemble pour son œuvre et que nous... Il nous a donné une fille, hein, qu'il allait nous donner une fille, voilà, voilà, ok. Et puis nous nous sommes revus à la réunion de réveil de Nice, puis à Marseille. Je pense que tu dois te rappeler maintenant de qui nous sommes. Dieu m'a guéri en effet, mon frottis du mois de novembre 2013 stipulait que j'avais une dysplasie CN1, lésion précancéreuse de bas grade. Sur avis médical, j'ai fait une colscopie, examen approfondi du col de l'utérus, et finalement, en avril 2014, les résultats sont tombés. CN12, lésion précancéreuse de haut grade. Plus une surinfection virale par HPV. Notre rencontre avec Jésus, pour résumer très succinctement, après avoir appelé un soir de fin d'août et après avoir confessé les péchés que l'on avait en nous et l'un envers l'autre à Jésus, donc il y a une confession mutuelle entre les deux, l'homme et la femme, et devant le Seigneur également. Après avoir renoncé au péché grâce à Dieu, après avoir été délivré par Jésus-Christ, c'est très important de le souligner, c'est Jésus-Christ qui nous délivre, gloire à Dieu, ce ne sont pas les hommes. Ma femme a demandé sa guérison concernant ce qu'elle avait, et là, les résultats du nouveau frottis fait fin novembre démontrent qu'il n'y a plus de signe de lésion intrapithéliale ou de malignité. Autrement dit, c'est parfait, gloire à Dieu.
Alléluia, bien sûr, elle a appelé le docteur pour lui dire que vous voyez, docteur, je vous l'avais dit, Dieu m'a guéri. Et elle prêche le médecin aussi. Le docteur l'a félicité, mais veut quand même un examen approfondi, un supplémentaire. Oh là là, c'est docteur de Saint-Thomas. Pourtant, dans la parole de Dieu, il est écrit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Amen. Mais nous lui avons témoigné, mais nous lui en tenons par rigueur. Bien sûr, c'est un inconverti. Mon épouse a encore plus à cœur de faire d'autres examens approfondis pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ, notre Père d'amour, et pour sa seule et unique gloire, preuve médicale à l'appui. Donc on va vous le montrer. Nous voulons venir à Évry pour témoigner de tout ce que Dieu a fait dans notre vie et que malgré les combats, n'est-ce pas, avec Jésus à nos côtés, nous marchons désormais en sécurité. Amen. Dis-nous quand est-ce que tu auras un moment pour mettre en place cela, car nous souhaitons rien, nous souhaiterions et, la présence, ta présence pour nous encourager avec joie. Merci à toi, frère Jean, que Dieu te bénisse et ta famille. Louez son nom, louez le nom saint de notre, hein, le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors on va montrer l'épreuve médicale. Gloire à Dieu. Alléluia, c'est magnifique ce que Dieu fait, mes amis. Première preuve, hein, ça c'est la condamnation, hein, la première frottis cervico-utérin, hein, antécédent de CIN2, technique en milieu liquide, tout ça, lecture assistée par je sais pas quoi, voilà. Présence de cellules endocervicales, présence de cellules endocervicales. Frottis cytologique, interprétable, voilà. Fait, voilà. Donc, voilà, c'est là, le premier examen qu'il avait condamné. Deuxième examen, après la prière au nom de Yeshua, après la délivrance que le Seigneur a accordée à notre sœur. Voilà. Ça, c'est le deuxième témoignage, là. C'est l'inverse. Le premier. Le premier, ouais. On va mettre le deuxième maintenant. Non, en fait, on n'a pas lu le premier. Ah, on n'a pas lu le premier. Tout à l'heure, il était fini. C'est là le... Ok, le premier alors qu'il avait condamné. C'est ça, ça c'est le premier. On va mettre le deuxième maintenant. Ah, on n'a pas lu le premier. Non. Et c'est ce que j'ai lu, c'était le deuxième. C'est le deuxième, oui. Où il y avait la guérison. Voilà, c'est ça. D'accord. Le premier, c'est ça. Voilà. Les yeux, machin. Ok. Là, le premier qu'il avait condamné, frottis, topologiquement interprétable, hein, lésion malpigienne intra-épithéciale de bas grand, hein, voilà, voilà. Donc là, on montre dans le premier qu'il y avait les problèmes de santé et le deuxième maintenant. Voilà. Et le deuxième. Pas de signe de lésion intrapithéciale ou de malignité. Amen. Pas de signe de lésion intrapithéciale ou de malignité. Voilà. Donc, voilà, il n'y a plus de signe. Et tout est parti. On acclame le Seigneur. Waouh, mes amis. Le cancer, ciao. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si, justement... nos amis peuvent nous appeler. Voilà, gloire à Dieu. Oui. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, tout le monde m'entend? Très bien. Bonsoir, frères et sœurs. Ben écoutez, oui, j'ai à cœur de témoigner parce qu'effectivement, Dieu est grand et Dieu est puissant. Et je deviens de plus en plus folle parce que j'ai envie de crier de partout qu'il m'a guéri. Et voilà, et je voulais témoigner de ça avec vous. Avec des preuves à l'appui, et Amen. Puis c'est pas fini parce que mon médecin me demande des examens approfondis que je vais faire là le plus tôt possible. Et je fournirai aussi des preuves de cet examen complémentaire, quoi. Amen. Voilà, Amen. Malgré que je sais que le Seigneur m'a guéri, je me dois de fournir les preuves parce que pour convertir les sceptiques et les non-croyants, et voilà. Gloire à Dieu. En tout cas, on vous attend sur Paris pour faire une émission autour de... du nom de Yeshua. Oh oui, on a beaucoup de choses à dire parce que Dieu a vraiment fait énormément dans notre vie et on a vraiment à cœur de témoigner de ça avec tous.
avec tout le monde pour encourager les frères et sœurs et puis voilà, partager ça avec vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous serez là le 19 décembre ? Amen. Non, malheureusement, non, on ne pourra pas, mais bon, on suivra ça sur TV2V en direct. Hein, je crois. D'accord. En tout cas, voilà. Quand vous aurez la possibilité de monter sur Paris, il n'y a pas de souci, on va vraiment faire une émission pour donner gloire au Seigneur. Tout à fait. Gloire à Dieu. En tout cas, bonne continuation. Gloire à Dieu, oui. Merci à vous aussi. Merci. Gloire à Dieu. À bientôt. À bientôt. Voilà, mes amis, Dieu est tellement fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on a aussi une sœur qui est venue d'Allemagne, frères et sœurs. D'Allemagne, c'était un samedi. Ce samedi-là, le Seigneur, je voulais me reposer. Et voilà, des frères étaient là, les frères et sœurs. Et par-dessus tout, notre Dieu était là. Et comme je vous dis, frères et sœurs, nul besoin que l'on vous impose les mains. Non, ne soyez pas idolâtres. L'atmosphère est déjà apprêtée, préparée par le Saint-Esprit. Quand vous arrivez seulement à de tels endroits, Dieu lui-même s'en occupe. Il s'occupe de vous. Et cette sœur est venue d'Allemagne avec son sida. Ça faisait 10 ans qu'elle avait le sida. Condamnée par la médecine. Elle est venue et personne ne lui a imposé forcément les mains. Elle a entendu la parole. Elle est rentrée dans ce bain de la présence de Dieu. Elle est repartie faire des examens. Aujourd'hui même, elle a eu les résultats, apparemment. Hein, donc, le sida a disparu. Le médecin est étonné. Alors, ce médecin. Alors, je crois que nous l'avons en ligne. Voilà, on est en train de la joindre. C'est impressionnant. Cancer, sida, des maladies qui font trembler la terre. Jésus les a vaincus. Le médecin. Le médecin des médecins. Donc partout où il y a Jésus, en fait c'est comme un hôpital. Amen. Amen. Des problèmes de prostate, il guérit. Mm-hmm. On a de tels témoignages. Il fait des choses, frères et sœurs, que nous n'avons pas encore expérimentées. Et parfois quand les gens viennent avec des preuves médicales, je me dis, Seigneur, mais est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Pensez-moi peut-être que je suis en train de rêver. Et Dieu est... trop fort. Je ne sais pas ce que vous avez à dire, ce que vous avez à... Non, surtout depuis un certain temps, le nombre de guérisons et de délivrances dont on est témoin, c'est pas on entend parler, mais les personnes viennent et puis elles témoignent. Elles ramènent des preuves médicales, des choses que... Voilà, on se rappelle de Tony à Marseille. Mmh, ouais. On se rappelle récemment, ça c'est des choses récentes. C'est ça. Les preuves où les médecins sont choqués au point que même les médecins suivent maintenant TV de vie. Et je crois que le Seigneur est en train de chambouler tous les raisonnements humains, uh-huh. Les raisonnements de l'homme qui dit que voilà, sans médicaments, sans médecin, on ne peut pas guérir. Ben si, en fait, avec le Seigneur, avec Jésus, c'est possible. Tout le Seigneur possible. Nous change, guérit. Waouh. Est-ce que ça incroyable. Vous choque? Est-ce que on est choqué, Laurent, qu'est-ce que tu... Les mots nous manquent. Mm-hmm. Parce que quand Jésus agit, il n'y a pas d'expression. Mm-hmm. Quand on voit tout ce qui se vit, on commence à vivre ce qui est écrit dans la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mm-hmm. Nous, on les voit, on les palpe, on les touche du doigt. On se dit, mais Seigneur, mais réellement, tu es vrai. Hier, c'était caché, hier, c'était pour nous un voile, mais aujourd'hui, on les vit. Mais il n'y a pas de mots. Mm-hmm. Quand on voit les paralytiques se mettre à marcher, on voit les gens atteints du cancer qui sont condamnés par la médecine se lever. Les gens atteints du sida se lever. Les gens des hépatiques guéris. Mais ça, c'est hallucinant. Les mots sont... Il n'y a pas un mot français qui peut vraiment placer le mot exact. Il n'y a pas de mot. Mm-hmm. Il n'y a pas de mot. On va à Marseille, les gens sont surpris. On voit comment Dieu agit. À Nice, pareil. À Évry, on ne peut plus compter le nombre de personnes que le Seigneur guérit. On ne peut pas les compter. Mm-hmm. On ne peut pas... Et en plus, par-dessus tout, le plus grand des miracles, les baptêmes, les conversions, on ne les compte plus. On se dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible ça. Voici réellement, là, on commence à vivre la parole au quotidien. Et en plus, ça met en nous la crainte véritable. Et là, on réalise que Seigneur, vraiment, tu es à la porte. C'était trop caché. Pour nous, c'était quelque chose qu'on voyait de loin. Mais on les voit maintenant de plus près. Et on voit comment, avec le Seigneur, on ne force pas. Mm-hmm. Le Seigneur ne force pas. Quand Dieu a appelé quelqu'un, il agit. Sans ton consentement, Dieu agit parce qu'il veut glorifier son nom. Amen. Et là, qu'on voit le Seigneur, on dit, mais Seigneur, merci. Et c'est la plus belle des réponses du Seigneur. Mm-hmm. C'est magnifique. Très magnifique. Il répond par la puissance de sa parole. Voilà. Elle ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, sa parole. Comme Élie disait au prophète de Baal, eh ben, faites des choses, hein, que Baal agisse maintenant.
Et ben voilà, parler, parce que les prophètes de Baal avaient aussi une forme de connaissance. Tout à fait. Ils avaient des enseignements qu'ils donnaient, tout ça. Oui. Là. Et ils faisaient des sacrifices. Mais ce qui leur manquait, c'était la puissance. La puissance. Ouais, la vraie puissance. Celle qui vient de la parole pure, Amen. Qui a franchi, qui guérit. Amen. Et Élie dira à Dieu, eh ben, après avoir restauré l'autel avec 12 fondements, parce qu'il faut le fondement, exactement. N'est-ce pas, Yeshua, il dit, j'ai tout fait selon ta parole. Amen. Et Dieu accompagne sa parole, Amen. N'est-ce pas, par des signes. Eh ben, c'est ce qui se passe, frères et sœurs. Eh ben, parler, c'est bien, mais produire des œuvres Amen. Qui honorent Dieu, qui apportent la restauration, qui guérit, qui délivre, qui restaure, c'est mieux. Et que Dieu soit béni. Donc quand on entend des gens qui disent, oh non, mais Dieu, la masturbation, il n'y a pas de problème, tout ça, mes amis, on entend des frères et sœurs qui disent, je sais, la masturbation, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri, maintenant je n'en veux plus, frère. Ah non, que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit est saint. Amen. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas, c'est bon? Ok, on a la personne en ligne, cette sœur qui vient d'Allemagne, qui vit en Allemagne, Elle vit en Allemagne et elle va nous donner son témoignage. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Guten Tag. Guten Tag. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter ce soir, ma sœur? Moi, je m'appelle Sœur Dada. J'habite en Allemagne. Je voulais témoigner la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment je vais parler, là où je vais commencer. Mon français, c'est pas vraiment du tout bon. Tu veux parler en quelle langue? En Allemagne. Moi, le problème, j'ai vécu avec le VIH-Sida plus de 10 ans. J'étais condamnée à prendre seulement les médicaments. J'ai suivi la radio de vie, je crois, pas même 2 mois. C'est mon beau-frère qui a été, il avait le cancer. Frère Richemont, je ne sais pas si vous... Qui a été guéri d'un cancer ici, par le Seigneur. Ah, elle m'avait parlé de votre site. Et j'ai commencé à regarder les TV de vie. Et ça m'a bouleversé. Alors, je suivais ça. Un jour, j'ai dit à mon beau-frère, normalement, il faut que j'aille à l'esprit parce que je vais rencontrer l'homme de Dieu et puis je vais parler avec Dieu. Et mon beau-frère m'a dit qu'il m'a montré comment je vais faire. Je peux faire et puis j'avais personne pour aller là-bas. J'ai appelé une sœur que j'ai vécu avec elle ici en Allemagne. Elle vient d'arriver à Paris, je crois, 5 ans comme ça. Elle a dit, oui, c'est loin, comme ça, elle habite à Marc-la-Jolie. Moi, je dis, non, fais-moi plaisir, je vais aller, vraiment, je vais retrouver mon Dieu. Parce que j'ai quelque chose, il faut que j'aille là-bas. Je sens quelque chose, il faut que j'aille là-bas, je vais vraiment prier là-bas. Et la sœur, elle était contente, elle m'a dit, bon, après, moi et Evry, on va faire au moins 1 heure. Moi, je dis, ça ne dérange pas, moi, je viens. J'étais allée là-bas, mais malheureusement, on était venus, il n'y avait pas de train, il y avait des problèmes, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai fortifié ce mal à ça parce que j'étais venu du vendredi, j'ai dormi là-bas. Et puis le samedi, on a pris la route et on était venu à Lévry. En arrivant à Lévry, il n'y avait pas Frère Chora qui prêchait. Il y avait un frère là, je me souviens, le nom c'est Frère Sylvain. Mm-hmm. C'était le 1er novembre. Et moi, j'avais fait des défis à Dieu, moi, dit, je suis venue, pas pour Frère Chora, je suis venue pour te raconter, Seigneur. Amen. Fais-moi vraiment grâce de me guérir, parce que tu vois, je viens de loin et tout le sacrifice que j'ai fait, j'avais vraiment confiance à Dieu. La sœur qui m'avait accompagnée, elle m'a dit, là, tu vois, tu viens de loin là-bas, il n'y a même pas Frère Chora ici, et toi, tu as payé ton transport pour rien. Elle m'a dit, mais écoute-moi. Ne me décourage pas. Moi, je ne suis pas venue ce soir pour Frère Chora. Mm-hmm. Moi, je suis venue pour le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Qu'il soit Frère Chora ou qu'il ne soit pas Frère Chora. Moi, je vois Dieu et je prêche, j'écoute les prédications et je crois que Dieu va me guérir. Amen. C'est pas un problème, même Frère Chora soit là ou pas Frère Chora. Mais moi, j'avais fait la promesse avec mon Dieu. Dès que moi, j'arrive dans cet étendant de la salle, je vais voir la main de Dieu, qu'il soit Frère Chora, que ce soit un autre prédicateur, moi j'ai la foi. Amen. Elle était assise là, elle était un peu découragée, parce que moi je connais mon Dieu, j'avais la foi avec ce Dieu-là, et tout d'un coup,
mon frère, je te dis que j'ai vu la main de Dieu. Le frère Sylvain, ce frère Sylvain, si je me souviens, ce frère-là qui avait prêché, elle ne m'a même pas imposé le main. Mon frère, je vous dis que j'avais dit à Dieu que s'il me guérisse, je vais le témoigner. Après, j'ai entendu, j'ai vu des chairs de poule dans ma... Là où j'étais assis, j'ai vu vraiment la présence de Dieu. Moi, je dis, oh Seigneur, enfer, tu es là. Après, j'ai eu besoin de faire pipi, comme j'avais fait la route, vraiment, c'était loin. De là où ma soeur était à Mantes-la-Jolie jusqu'à à Évry, c'était vraiment un peu loin, 1 heure du temps là. J'avais envie d'aller à la toilette. Quand j'étais allée à la toilette, j'ai vu une soeur, il dit, pardon, je viens de l'Allemagne, si vous pouvez me laisser, j'ai fait... Il dit, quoi? Tu viens de l'Allemagne, tu es venue seulement aujourd'hui? Moi, je dis, non, j'étais venue hier et pour la réunion seulement. Elle m'a dit, non, il faut aller avec un frère là. Il y a un autre frère là à côté. Tu lui dis que tu viens de l'Allemagne, comme ça, tu peux lui parler. Il y avait un frère là, je ne connais pas son nom, il est de la taille comme frère Chora là, il fait aussi des délivrances. Moi, je dis, Julien. Ah, cette femme-là me dit, moi, je ne suis pas venue pour frère Chora ou pour frère, l'autre frère là. Moi, j'ai déjà ma foi que Dieu m'a guéri. Amen. Et toutes les histoires que j'ai vues là, la prédication, c'était intense, j'ai vu la main de Dieu. J'étais dans la joie, quoi. Et le frère m'a vu comment j'ai parlé avec cette frère là. Elle a dit, sœur, c'est quoi? Moi, je dis, ah, non, la sœur m'a dit que si tu peux te parler, mais elle a dit de quoi? Moi, je dis, non, je viens de l'Allemagne. Elle a dit, mais de toute façon, aujourd'hui, frère Chora ne reçoit pas. Moi, je dis, c'est pas grave. Elle m'a dit, elle m'a encouragé, tu es-tu contente de cette prédication? Elle m'a dit, oh, Dieu a fait des grandes choses, mon frère. Oh, elle a dit, gloire à Dieu. Et quand tu vas rentrer, tu rentres, comme je dis, je rentre demain. Elle a dit, dès que tu rentres, tu salues tout le monde. De la part de tous les frères de France. Moi, je dis, ça me dérange pas. Et je suis rentrée. Et j'étais tout content là. Comment dirais-je? Moi, j'étais venue le premier. Normalement, je devais voir mon médecin le 17. Le 1er novembre. Moi, je devais voir mon médecin le 17 novembre. Quand je suis rentrée, mon médecin traitant, pendant plus de 10 ans, elle a ouvert mon comment on appelle ça? Ton dossier? Elle me consulte souvent. Elle a ouvert mon livre là qu'elle voit souvent mes résultats. Elle a dit, mais trop, parce que je m'appelle Boussal, le nom de famille. Elle a dit, mais je ne te reconnais plus. Mais première question qu'elle m'avait demandé, je n'ai même pas compris. Elle m'a demandé si je suis allée, écoute bien frère. Elle m'a demandé si je suis allée voir un autre médecin, elle m'a dit. Quoi? Un autre médecin? Quel médecin? Elle a dit non, je ne sais pas si peut-être tu étais partie voir un autre médecin. Ah, l'esprit est venu, m'a dit non, moi je ne suis pas allée voir un autre médecin, mais moi, ce que moi je connais, que j'étais partie voir seulement Jésus-Christ. Moi, elle a dit quoi? M'a dit oui, mais tes résultats sont vraiment... incroyable, mais vrai, moi je dis, mais qu'est-ce que tu me parles là? Moi-même, je suis aussi étonnée parce que, j'ai sauté. Quand on a demandé les gens pour aller, pour les gens des malades, moi je me suis mis debout. Et ma cousine m'a dit, mais non, frère, tu n'es même pas là. Toi, tu vas aller là-bas pour tu connais même pas les gens, ils vont te toucher dans la tête, moi je dis, Lili. Il faut me laisser tomber, mais laisse-moi tranquille. Je ne suis pas venu. Je te dis plusieurs fois que je ne suis pas venu pour une fraîcheur. Laisse-moi, je pars vraiment. Je l'ai laissé là, moi, je suis parti. Quand un frère là, il était un peu clair. Si vous mettez beaucoup de frères là, je les connais. Le frère, il était là, il m'a demandé, sœur, quoi? Moi, c'est moi, comme tu me vois là, on m'a condamné. C'est le frère Simon. Il a dit, de quoi tu souffres? Moi, je dis, de sida. Il a dit, de sida? Ok. Tu es marié, monsieur. Si, je suis marié. Le problème qui est là, elle m'a conseillé comme mon conseil là. Et tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Moi, je dis, bien sûr, je crois que Jésus-Christ m'a guéri. Elle a dit, va faire ton examen. Dès que tu arrives en Allemagne, allez chez ton médecin. Et comme moi, j'avais la date le 17, j'allais attendre ma date là. Comme je suis partie là, mon médecin là, il était vraiment bourré, je ne sais pas quoi. De quoi il me parle? Alors, ma tête, là, elle me demande encore si je suis allée voir un médecin. Oh.
Mais mon rendez-vous, c'est aujourd'hui. Quel message que tu me demandes encore? Elle a dit non. Le problème, c'est que mon esprit va dire non. Ah oui, j'ai compris pourquoi tu m'as demandé si je suis allée voir un autre médecin. Mais moi, je te dis que moi, comme tu me vois là, j'ai pris. J'ai pris Jésus-Christ de Nazareth. Elle a dit waouh. En allemand, elle a dit waouh. Après, quelque chose qui me... Je suis vraiment bouleversée, m'a dit, tes résultats, c'est incroyable, mes frères. Regarde, tu n'as plus malade. Tu n'es plus malade. Moi, je dis, bon, là, ça ne sonne pas bien. Après, elle m'a dit, mais de toute façon, on va te prendre encore du sang. Écoute-moi, frère, on va te prendre encore du sang. Et puis, parce que tu as fait 3 mois, non, avant qu'on on voit ce même résultat. On va te prendre encore le sang, après on va contrôler, mais de toute façon, je ne vois même pas qu'est-ce que je vais te dire. M'a dit, ok, je sors, prends ce que tu prends là, le sang là, c'est pas même à moi, dedans de moi. Le sang que je vois encore faire des examens, c'est le sang de Jésus-Christ même. Prends. Après, ils m'ont enlevé encore du sang. Et aujourd'hui, comme je vous appelle là, j'avais encore un autre médecin de la maison. J'appelle mon médecin de la maison en quittant de l'autre, là où j'ai l'habitude d'aller après trois mois. Le médecin de la maison me fait encore un autre rendez-vous. Il m'a dit, Dada, je ne suis pas là. Il m'a laissé le message que je viens. Aujourd'hui, nous sommes les 4, non? Je suis allé voir cette médecin. Aujourd'hui, c'est jeudi. Je suis allé voir le médecin lundi. C'est lundi. Et le médecin m'a dit, il faut venir le jeudi pour voir encore si tu es encore malade ou pas. Frère, comme je vous appelle là, j'étais dans le cabinet de mon médecin, la deuxième médecin, elle comprend rien du tout. Elle dit, mais quoi? Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Moi, je dis, écoute, parce qu'on parle bien avec lui en français, elle a vécu beaucoup en Afrique. Moi, je dis, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu me trouves? Qu'est-ce que tu trouves là? Elle a dit, mais moi-même, là, je n'arrive même pas à comprendre. Regarde, tu n'es plus malade. Je ne sais pas quoi ce que je vais te dire là. Même ton dossier. Ce qui me dépasse là, mon mari ne m'a même pas fait les examens. Elle a dit, regarde le dossier de ton mari. Regarde ton dossier. Tout va très bien. Vous n'êtes pas malade. Et pourtant, je vous souligne, dans mon prière là, j'ai mettais le nom de mon mari. Et frère, je vous dis que mon mari n'a pris même pas un médicament. Si je ne me trompe pas, il a pris au moins une fois. Si il a des malaises, il m'a demandé, moi, dit, la souffrance que j'ai là, toi, tu ne comprends pas parce que tu ne prends pas les médicaments. Mais moi, ce qui prend les médicaments là, je ne sais même pas comment vous décrire ça. J'ai des malaises intenses. Une fois, j'ai fait goûter à mon mari, moi, dit, goûte d'abord ce médicament, comme ça, tu vas voir comment ça y est amer. Et le problème qui est là, qui s'est passé, mon mari, dans son côté, on disait qu'elle n'a pas le malade, elle n'est pas le malade, on ne peut pas lui donner le médicament, mais moi, je prenais le médicament chaque jour. Et mes frères, je vous dis, devant Dieu, parce que j'avais dit à mon mari que si Dieu me guérit cette fois-ci, je vais le témoigner. Et avant de venir chez vous le 1er novembre, j'ai dit à Dieu, parce que les médicaments, là, ça me faisait trop mal. J'ai dit une semaine avant de devenir en Évry, j'ai fait mon prière, mon dit Seigneur. Mais mon médecin m'a dit que je ne peux pas dépasser 2 jours sans prendre cette médicament. Mais moi, je te mets témoin oculaire. Je ne vais plus prendre ce médicament avant d'aller à l'Évry. S'il s'agit que je meurs à cause de ton nom. Mais moi, je sais que toi, tu es Jéhovah Rapha. Le problème, c'est que je connais beaucoup de passages de Dieu, mais parfois les versets, ça m'échappe. Moi, je t'ai connu comme mon enfant. Pourquoi cette maladie, ça me quitte pas? Avant d'aller chez Frère Chora, moi, je vais plus prendre de médicaments. Et frère, devant Dieu, je vais vous amener des médicaments. Je n'ai plus aucun médicament pendant une semaine là. Et je croyais, parfois, les boutons, ça sortait un peu. Moi, je dis, diable, derrière moi, même si les boutons sortent, moi, je vais voir la main de Dieu. Je ne prendrai plus les médicaments. Avant une semaine que j'aille à l'Évry, jusqu'à présent, je ne prenais rien du tout. Aujourd'hui, j'ai des preuves. Dieu m'a guéri. Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Le mot Carmel m'a guéri. C'est pour ça que j'ai dit,
que je vais témoigner, j'ai dit à mon mari, moi, c'est comme j'ai dit à mon mari, à mon Dieu, je l'ai promis, devant le monde entier, je vais témoigner. Alléluia. Alléluia. Donc là, tu as les preuves de ta guérison. Oui. Tu es séro. Aujourd'hui même, j'étais chez le médecin, il m'a donné les papiers. Séro négative. Ouais. Le médecin ne comprend plus rien. Non. Alors, tu viens vendredi, non, pour le programme de réveil de samedi? Comme vous voulez. Ben, viens avec les résultats. Nous te payons le billet pour le billet, il n'y a pas de problème. Ok. Viens rendre gloire au Seigneur. Et donc, le billet de retour, on le prend en charge. Comme je vous avais dit là, je n'ai pas une place à dormir, c'est ça le problème. Non, le billet de retour, on le prend, on te paye une chambre d'hôtel. Ok, je vais avec mon beau-frère. Il n'y a pas de problème, venez tous les deux avec ton beau-frère, l'évangéliste, qui a été guéri par le Seigneur ici d'un cancer. Oui. On va faire une émission vendredi soir, une émission spéciale sur cette guérison c'est divine. Pas un problème. Hein, donc vendredi, venez avant 19h, à 20h30, une émission spéciale. Ok. Gloire à Dieu. On sera là même avant même. Parfait, gloire à Dieu. Frères et sœurs, vendredi soir, émission spéciale sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous rendez compte, frères et sœurs. Donc ma sœur, à vendredi. Ok, à demain. À demain, je ne peux pas m'asseoir normalement. Parce que quand mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? La sœur est venue, elle n'était pas idolâtre, elle n'est pas idolâtre. Sa cousine, malheureusement, est encore l'idolâtrie, je crois que Dieu l'a délivrée. Parce que je n'étais pas là pour prêcher, j'étais à côté caché. Mais Dieu est là. Quand il y a le réveil, on ne se focalise pas sur les hommes. Il y a un autre frère qui a prêché. Et c'est un autre frère, Claire de Pau, comme elle le dit, qui a prié pour elle en lui disant, va faire des examens en Allemagne, Dieu t'a guéri. C'est des frères qui sont là, qui ont l'esprit, qui craignent Dieu, qui honore Dieu, qui sont dans le message du retour à la parole. Frère, l'esprit est un, nous sommes un. Et comme on est un en Christ et que Christ a vaincu la mort, le Seigneur, si vous mettez votre foi en lui, non pas dans les hommes, Dieu vous guérit. Amen. Dieu vous guérit, frère. Oh non, ma joie est grande. Que Dieu soit béni pour la guérison de cette femme, de son sida. Pour la guérison de notre sœur qui a témoigné précédemment, enfin avant elle, de son cancer. Frères et sœurs, vous qui dites que Dieu n'est pas Dieu, vous qui dites que vous avez Dieu, vous qui dites que frères et sœurs, nous sommes imposteurs, eh bien, montrez-nous les preuves des guérisons de sida, de cancer que votre Dieu fait et que le monde entier le voit. Voilà le véritable Mont Carmel. Toute la gloire soit rendue à Dieu, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, à demain, 20h30 sur TV de vie, Radio de vie, pour cette émission avec cette sœur et son beau-frère que le Seigneur a guéri d'un cancer. Les deux vont témoigner pour la gloire de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, dernier programme de réveil ce samedi. Nous ne savons pas comment nous allons nous organiser. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu nous fait tourner. On va tourner en Belgique, Hollande. Ce dimanche, nous sommes en Hollande. On va tourner partout, frères et sœurs, avec cette atmosphère de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et que Dieu guérisse son peuple, que Dieu délivre son peuple au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ne quittez pas, n'éteignez pas vos ordinateurs. Il y a notre frère Mourad qui va faire une émission. Il va nous partager des belles choses que Dieu lui a données, comme c'était prévu. Et voilà, donc que Dieu soit béni. On reprend l'émission dans 5 minutes. À tantôt, comme disent les Belges. Oh, gloire à Jésus. Thank you.